Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus revient, qui sonne la trompette de repentance à toutes les nations pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore fait la grâce de nous présenter devant vous pour sonner la lettre rouge, aujourd'hui sur le thème « Le chrétien et les jeux de hasard ». Avant de commencer, prions. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, nous te confions ce moment. Seigneur, une fois encore, tu nous as préparés pour enseigner ton peuple, pour communiquer à ton peuple ta pensée. Seigneur Jésus, tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, touche les cœurs pour se repentir, pour sortir des choses du monde, pour abandonner les œuvres des ténèbres. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, tous ceux qui vont écouter ce message, ils vont aller sur leurs genoux et demander pardon. Seigneur, je te prie de les pardonner, de les exaucer et d'effacer leur nom du livre de l'enfer et d'écrire leur nom dans le livre de vie. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous sonnons la lettre rouge d'aujourd'hui sur les jeux de hasard, la loterie, les machines à sous, les casinos, les PMU, les lotostars, les jeux de cartes, les jeux de dés, les belotes, etc., etc. Qu'en dit les Saintes Écritures? Et quelles sont les conséquences sur les acteurs et les accros au jeu de hasard. Chers frères et sœurs, ce message consiste à vous réveiller davantage pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Savoir ce qu'il faut faire, ce que le chrétien peut faire et ce que le chrétien ne doit pas faire, pour mieux se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce message qui m'a mis à cœur a pour but de vous délivrer de l'ignorance. Chers frères et sœurs, la parole nous a clairement dit que le monde est sous la domination du diable, sous la domination du malin, qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre pour conduire les hommes dans le péché. Nous pouvons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ainsi, le malin a mis en place tout ce qui peut conduire paisiblement les hommes en enfer. Les hommes aussi, tournant le dos au Créateur, se laissent emporter dans toutes les séductions du malin. C'est pourquoi, peuple de Dieu, chaque jour, l'ennemi crée de nouvelles choses. Il invente de nouvelles choses pour pousser les hommes dans le péché. Alors, c'est quoi un jeu de hasard? C'est un jeu dont le déroulement est partiellement ou totalement soumis à la chance. Celle-ci peut provenir d'un tirage au sort et il en existe plusieurs variétés. Alors, peuple de Dieu, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de hasard, n'est pas un Dieu
qui accorde la bénédiction par hasard, qui accorde la grâce par hasard. Non, mais c'est un Dieu de grâce qui accorde sa grâce à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Donc, tout ce qui qu'on peut désirer comme jeu de hasard vise un seul but, c'est de satisfaire la chair, satisfaire l'esprit de la cupidité, le divertissement, et etc., etc. Le jeu de hasard est nuisible à l'âme du chrétien parce qu'il est contrôlé, d'abord tel que je l'ai dit, par l'esprit de cupidité. Celui qui s'adonne à la loterie, au PME, au Lotostar, et etc., etc., les machines à sous et autres, celui-là, il est contrôlé d'abord par l'esprit de cupidité. L'amour démesuré de l'argent, le gain facile, l'enrichissement par raccourci. Et tous ceux qui s'adonnent à ces choses sont des captifs du malin qui vivent sous des embargos. C'est malheureusement en enfer qu'ils peuvent s'en rendre compte. Or, la parole nous déclare dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, c'est-à-dire à la sueur de ton front, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu ne retournes dans la terre. Ce qui veut dire quoi? C'est en travaillant de ta main que tu peux manger là. Manger, c'est en travaillant de ta main que Dieu va te bénir. Dieu ne peut pas te bénir dans les jeux de hasard. Dieu ne peut pas te bénir au moment où tu t'adonnes à la loterie et au PMU, etc., etc. Dieu ne peut pas te bénir au moment où tu vas passer ton temps dans les casinos, dans les machines à sous. Dieu ne peut pas te bénir dans ces endroits-là. Nous n'avons vu dans la Bible aucune personne devenue riche par raccourci ou par hasard. Dieu bénit toujours par le travail de la main. Mais le diable ne voit pas les choses de cette façon. C'est pour ça que il va proposer à l'homme une autre voie facile pour s'enrichir. Et cette voie facile est-elle réellement biblique? Et cette voie est facile? Est-elle légale devant Dieu? La réponse est non. Car nous pouvons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 1, le verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ceux qui s'adonnent à la cupidité. Ceux qui s'adonnent à l'amour démesuré de l'argent, ceux qui s'en donnent au gain facile, ça cause leur perte. On peut lire aussi dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Soulignez bien dans votre Bible, cupidité, cupidité qui est une idolâtrie. Ceux qui s'adonnent à mammon, au gain facile, ils tombent dans le piège de l'idolâtrie. C'est pour ça que ceux qui sont dans les jeux de hasard, c'est pour eux un additif. Et ils ne peuvent pas sortir facilement. Ils sont possédés.
beaucoup sont envoûtés par l'esprit de cupidité. Et chaque jour, ils vont s'asseoir dans les lieux de casino, dans les lieux de machines à sous, dans les lieux où on joue les PMU. Et vous allez voir des vieux, des vieilles personnes assises en train de faire des calculs, en train de faire des chiffres, de calculer. Ils font toujours des calculs qui ne tombent jamais jusqu'à la fin de leur jour. Il y a plusieurs qui sont possédés de ce jeu-là. Et malheureusement, il est aujourd'hui fréquent de voir des chrétiens prier Dieu, demander à Dieu de leur permettre de gagner de la loterie pour venir payer de grosses dîmes ou pour investir ou bâtir l'église. Peuple de Dieu, c'est de la folie. C'est de l'argent sale et de sang devant Dieu. Dieu ne peut pas exaucer cette prière. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu vas jouer les jeux de hasard pour dire que tu vas venir payer la dîme, Dieu ne reçoit pas. Alléluia! Dieu ne reçoit pas. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est comme l'argent du vol. C'est comme l'argent de la prostitution. Or, la Bible interdit de venir payer dans sa maison l'argent provenant de la prostitution. Les jeux de hasard aussi, c'est la prostitution avec le monde. Donc, le chrétien ne peut pas dire qu'il va aller payer, qu'il va aller jouer la loto pour gagner, pour venir payer la dîme. C'est de la pure folie. Peuple de Dieu, le monde des jeux de hasard est un monde totalement diabolique où il y a tout. Je vous dis, les gérants dans les casinos ou dans les boutiques de machines à sous font tout pour faire jouer les accros en leur tendant toutes sortes de pièges. Or, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là. Je vous le dis en vérité, c'est un monde rempli de toutes sortes de manipulations. C'est un monde rempli de toutes sortes de fraude contre les joueurs. Je vous le dis, c'est la réalité. Chers frères et sœurs, nous avons une sœur qui avait servi dans ce réseau de jeux de hasard et nous a témoigné tout ce qui se passe dans ce monde-là. Tout ce qui se fait pour vider les comptes et les poches des joueurs. Je vous le dis, c'est de l'escroquerie légalisée. D'abord, elles sont forcées de s'habiller en tenue ceci, en collant serré, pour montrer leurs fesses et leurs seins, afin d'attirer les clients, comme ça se passe dans les bars. Et on leur apprend à être douce, à être très gentille avec les clients, à être très accueillante. Parce que leur mission, c'est d'encourager les clients à jouer encore et encore et encore jusqu'à ce que leurs poches soient vidées. Même si leurs poches sont vidées, et ils commencent par pleurer, eux, ils s'en foutent. Je vous dis, elle dit qu'il y a même des clients spéciaux, comme les salariés, à qui l'on réserve un traitement de faveur, un traitement spécial, un traitement VIP. Pour eux, on leur assure
de jouer même à crédit et de régler à la fin du mois. Et d'autres viennent déposer sous forme de garantie quelque chose de grande valeur et rembourser après. Comme ça peut être les documents de leur maison, les documents de leur moto ou de leur voiture. Parce que c'est une maladie dans leur cervelle qui les force à jouer toujours en rêvant de gagner gros lot pour devenir millionnaire. Peuple de Dieu, la sœur nous a dit comment elle a souvent pitié de ses accros au jeu. D'autres sont des vieux retraités qui n'espèrent plus rien et qui ont des enfants à la maison, des femmes à la maison à qui ils ne donnent même pas de déjeuner, mais vont prendre l'argent de la pension. Peuple de Dieu, mais eux, ils font comme si tout va bien. Je vous dis, voyez des pères de famille qui viennent avec leur pension remplie des corbeilles maudites, remplies des caisses maudites dressées par Satan. Je vous dis, même à la fin, d'autres sont obligés de demander d'aide pour rentrer parce que leur poche est complètement vidée. Peuple de Dieu, le désir de gagner ou de récupérer l'argent qu'ils ont investi pousse beaucoup à passer plus de temps, plus d'années dans ce réseau-là, dans ce monde de jeu de hasard. D'autres même, en gagnant de petits lots, visent maintenant les gros lots. Quand ils gagnent 100 000, ils se disent, ah, certainement que si je poursuis, je vais gagner les 100 millions. Et ils visent toujours le gros lot qu'ils n'atteignent jamais. Je vous dis, s'ils gagnent 100 000 dedans, ce qu'ils investissent derrière les 100 000, ça dépasse millions. Celui qui a créé le jeu de hasard, il n'est pas dupe. Lui, il a déjà fait tout son calcul. Et il sait le nombre. Ou bien, le gain que lui va avoir d'abord, avant d'injecter un petit lot pour les gagnants. Je vous dis en vérité, la probabilité pour s'en sortir est très faible. Ceux qui visent des gros lots, ils n'atteignent jamais. Je vous dis, c'est un jeu de possession démoniaque. Les plus malheureux dans cette situation, c'est les joueurs de PMU. Vous allez voir ces vieux retraités abandonner leur foyer et venir rester dans des petites cabines de jeu en train de parier. Et ils ont toujours leur verre, hein, leur lunette sur le nez, avec un vieux journal en main, en train de faire des calculs. Toujours des calculs. Mais eux seuls connaissent le résultat de ce calcul. Des retraités au bord de la tombe, accros de cette folie, ça donne à cette folie. Chers frères et sœurs, ça fait pitié. Chers frères et sœurs, s'il arrive que vous ayez gagné une fois ce jeu, ne pensez jamais que c'est une bénédiction de Dieu. Non, c'est plutôt un piège infernal pour votre âme. Car l'argent vient de sources maudites, de criminels, de braqueurs et aussi de malheureux qui voulaient juste un peu de plus, vont venir déverser leur argent dans ça. En dehors des pauvres joueurs, il y a aussi des riches fortunés qui font jouer dans les casinos
afin de satisfaire la chair et leur orgueil. Ils vont dans ces casinos, pas forcément pour s'enrichir, parce que eux, ils sont déjà riches. Ils ont déjà la richesse et ne savent pas à quoi s'en servir. Ils ne veulent pas donner aux pauvres. Ils ne veulent pas donner aux misérables qui meurent à côté d'eux. Mais ils vont remplir des valises avec des liasses d'argent. Alors, quand ils vont dans ces endroits, ils vont échanger contre... Il y a les casinos qui ont leur monnaie spéciale. Alléluia. C'est que quand tu vas là-bas, c'est que tu rends le billet de banque que tu as amené pour prendre maintenant la monnaie du casino. Voilà. Pour que tu oublies dans ta tête que tu es en train de dépenser l'argent, c'est que dans ta main, ce sera comme de cailloux. Voilà. Ce sera comme de cailloux que tu es en train de mettre quelque part. Peuple de Dieu. Voilà des choses que l'ennemi utilise pour posséder les hommes. Et je vous parle de ces riches qui fréquentent les casinos. Les casinos qui sont comme des boîtes de nuit où il y a tout. D'abord, quand tu vas, il y a des filles sexy qui vont t'accueillir. Il y a des boissons, tout ce que tu veux, champagne, whisky, vodka. Les boissons les plus chères. Hein? C'est que c'est un monde illusoire que l'ennemi a créé. Et quand les gens sont dans ce monde, ils oublient tout ce qu'ils sont. Ils oublient leur âme. Et ils ne font que jouer. Alors, ils vont se divertir avec leur fortune. C'est pourquoi, dans ces casinos, tout est mis en place pour leur faire oublier la quantité d'argent qu'ils misent, qu'ils investissent. D'abord, des jeunes filles ceci presque nues, positionnées, telles que je l'ai dit, à l'accueil, pour leur donner l'envie de voyager au nuage. C'est que quand ils rentrent dans cet univers, ils oublient tout. Ils oublient tout. Ils n'hésitent pas à jeter de temps en temps des mains pour caresser les seins ou les fesses exposées sous leur nez pour les exciter à continuer de jouer, à continuer d'investir dans la boîte maléfique. Leur mentalité est contrôlée par le système qui est mis en place là. C'est un système mis en place. Ceux qui ont créé les casinos, ils ont d'abord travaillé. Ils ont pris le temps de bien étudier comment faire pour que les hommes puissent se sentir dans un paradis pour investir tout leur argent. Je vous dis, dans certains casinos même, les boissons alcooliques sont gratuites. Les boissons sont gratuites pour que les clients VIP puissent vraiment oublier tout et continuer d'investir. Si l'argent qu'ils amènent est fini, ils peuvent encore envoyer leur chauffeur à la maison pour amener encore une autre caisse, une autre valise d'argent. Ces gens aiment donc remplir les caisses des casinos que de dépenser aux pauvres, aux orphelins et veuves qui meurent de faim à côté d'eux. D'ailleurs, c'est des gens qui sont extrêmement avares vis-à-vis des pauvres. Je vous dis, ceux qui ont la facilité d'investir dans les casinos, c'est des gens qui sont extrêmement pingres, avares. Si tu travailles chez eux, c'est à contre-gouttes que tu auras ton salaire de misère. Allez voir comment ils payent leurs gardiens. Même le chien de leur maison est plus heureux que le gardien de leur maison, que même leur chauffeur. Parce que pour eux, leur fortune, c'est pour les caisses de casino. Je vous dis, c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 5,
le verset 1 à 6. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la taille. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et vous dévorera et dévorera vos chairs comme un feu, car vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Criez et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Peuple de Dieu, vous avez bien compris le délice dans lequel ces fortunés vont vivre dans les casinos, oubliant tout ce qui est de ce monde. Et de leur côté, devant les machines à sous, c'est un autre spectacle. Des jetons, tel que je l'ai dit plus haut, spécialement conçus en monnaie de jeu, sont engagés, sont échangés contre l'argent des joueurs pour leur faire oublier que c'est leur fortune qu'ils mettent dans cette boîte maudite. S'ils bloquent la machine une fois, c'est-à-dire s'ils gagnent le jackpot qui sort le jeton jusqu'à 500 000, sois sûr que ça leur prendra le triple de cette somme en un mois. Finalement, ils n'ont rien gagné. En réalité, ils n'ont rien gagné. On te donne 25 francs pour te prendre au moins 100 francs. Je vous dis, nous avons appris l'histoire d'un retraité qui est allé faire le retrait de sa pension un jour. Elle fit escale dans une salle de machine à sous et vida sa poche là et tomba évanoui. Peuple de Dieu, pourquoi l'homme se crée tant de problèmes? Tu as pris la pension de toute ta vie. Tu as pris ton rappel et tu vas aller faire escale dans boutique de machine à sous. Et tu vas verser tout ton argent là en pensant que tu vas doubler ou bien tripler ta richesse. Et voilà, tout est vidé sans qu'il n'a gagné 25 francs. Et il est tombé évanoui. Pourquoi essayer de forcer le destin? Pourquoi forcer la destinée? Pourquoi faire affaire avec le diable? Qui n'accepte jamais perdre. Jamais. Avec les humains. Quand le diable fait affaire avec les humains, il n'accepte jamais perdre. Chers frères et sœurs, ce qui est regrettable dans tous ces cas, c'est le cas des chrétiens qui n'aiment pas trop investir dans l'œuvre de Dieu, mais qui prennent leur fortune pour aller remplir le trésor du diable. Des chrétiens qui ont des difficultés à donner leur dîme et offrande, mais qui vont se défouler dans cette folie. Or, la parole déclare, dans Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Peuple de Dieu, le chrétien ne doit pas se mettre
dans ces choses-là. Le chrétien ne va pas aller investir dans les casinos, dans les machines à sous, dans les permis, dans les lotostars, dans les loteries. Non! Ne dis jamais que tu vas aller le faire pour gagner gros lot pour venir payer dîme. Non! Non! On ne se moque pas de Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Fais des projets. Et va sur tes genoux et prie. Présente même ton petit capital devant Dieu. Et prie. Le Seigneur va te bénir. Mais si tu dis que c'est en investissant dans les casinos que Dieu va te bénir, tu te trompes toi-même. Je vous le dis en vérité, en vérité. Et en dehors même du caractère lucratif des jeux de hasard, il y en a certains qui le font pour la distraction et le divertissement. Ainsi, vous verrez des gens assis sous des arbres ou sous des tentes en train de jouer la belote, la dame, le domino, etc., etc., pour occuper ceux qui veulent, ceux qui ne veulent rien faire à leur créature. Je vous dis, ceux qui ne veulent rien faire à leur créateur, l'ennemi, le diable, a créé ces travaux pour les satisfaire, pour les occuper, pour occuper les paresseux. C'est dans ces lieux que vous entendrez toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de moqueries, toutes sortes de railleries, toutes sortes de plaisanteries, toutes sortes de polémiques. C'est dans ces lieux de rassemblement des paresseux, de joueurs, de belotes, de joueurs de jeux de cartes, de joueurs de domino. C'est dans ces lieux que vous entendrez toutes sortes de paroles vaines, toutes sortes de moqueries, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de polémiques. Les débats politiques, c'est dans ces lieux que vous entendrez ça. Peuple de Dieu, le chrétien a-t-il sa place en ces lieux? Que dit les Saintes Écritures? Dans Psaume 1, le verset 1 à 2, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là où les moqueurs se rassemblent en train de jouer leur belote, en train de jouer les dominos, en train de se divertir, le chrétien n'a pas sa place là. Le chrétien trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Le chrétien, la place du chrétien, c'est pas sous un arbre en train de jouer belote, en train de jouer les dominos, les cartes. Non! Le plaisir du chrétien, c'est pas dans ces choses-là. Là où tu vas trouver le chrétien, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, c'est là où il y a la parole de Dieu. C'est là où on prêche la bonne nouvelle du retour de Jésus. C'est là que tu vas trouver le chrétien. Alors, que chercherait donc un chrétien affranchi en ces lieux? Pour faire quoi? C'est des lieux remplis de démons, remplis de l'esprit de d'oisiveté. C'est dans ces lieux que se tissent les relations d'ivrognerie, les relations de cigarettes, les relations de drogue, les relations de toutes sortes de péchés. Or, nous savons que les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. Comme nous pouvons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, la compagnie du chrétien, c'est pas dans ces lieux de jeu de hasard. C'est pas dans ces lieux de divertissement et de distraction. Ça
sachez bien que une seconde que le Seigneur vous donne sur terre, vous allez faire le bilan. Vous allez rendre compte de ce que vous avez fait de cette une minute. Un jour que le Seigneur t'accorde sur la terre, qu'est-ce que tu as fait de ce jour? Tu vas rendre compte si tu as passé ce jour, tes jours, pour aller rester sous des arbres, pour jouer au belote, pour jouer au domino, pour jouer aux cartes. Tu rendras compte. Peuple de Dieu, les conséquences de cette vie de débauche sont nombreuses. Cette vie d'oisiveté, de paresse, les conséquences sont nombreuses. D'abord, les hommes qui passent leur temps dans ce vice meurent prématurément par des maladies cardiovasculaires. C'est eux, vous allez pour la plupart prendre des problèmes de diabète, des problèmes de hépatite, etc., etc. Ils n'ont pas aussi le temps de prendre soin de leur foyer. Leurs femmes vivent l'enfer à la maison. Après avoir jeté leur salaire dans des poubelles maudites de casino, de machines à sous, ils viennent jeter leur rage sur leurs femmes à la maison. Comme si c'est leur femme qui les a poussés à aller jouer au jeu de hasard. C'est des gens qui sont tout le temps sous tension. Ils sont toujours nerveux. À la maison, c'est difficile de voir leur sourire. Parce que Satan l'a bien piqué là-bas. Satan lui a arraché toute sa fortune dans les caisses de casino, de machines à sous, de PMU, de loterie. Et quand ils viennent à la maison, tous frustrés, enragés, la femme ne peut pas lui parler. C'est des foyers vraiment sous tension. Même leurs enfants finissent aussi par devenir comme eux. Car n'ayant jamais vu leur papa à la maison pour contrôler leur éducation, donc leurs enfants ont une éducation tordue et finissent par devenir comme eux. Peuple de Dieu, sur le plan spirituel, ceux qui s'adonnent à ces jeux de hasard ne savent jamais qu'ils sont des prisonniers du diable. Et en route, je vous dis, pour l'enfer, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'investir pour l'enfer. Beaucoup de frères ont vu en enfer le sort de ces gens qui sont morts dans les jeux de hasard et continuent de gratter des cartes de loto en enfer au milieu des flammes. Et les démons les pressent à continuer de gratter encore. Qui vont gagner là-bas? Voyez comment Satan est mauvais. Il vous conduit dans le péché sur terre et c'est encore lui qui vous accuse du même péché en enfer. Peuple de Dieu, nous avons l'histoire d'un jeune frère qui est venu nous témoigner comment les démons contrôlent sa mentalité dans cette activité de jeu de hasard. Il allait même vider la caisse de tontine de sa pauvre mère pour aller jouer au loto sans jamais gagner. Mais depuis qu'il a eu cet enseignement, il a reçu sa délivrance et s'est complètement repenti. Toi aussi qui écoutes ce message, c'est aussi le moment de ta délivrance. Ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. La parole déclare dans le livre de Matthieu 16, verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que servira-t-il à toi qui m'écoutes en ce moment d'aller investir ta petite fortune
dans les caisses de l'enfer et de perdre ton âme. Que te servira-t-il d'aller investir dans les casinos et de perdre ton âme? Peuple de Dieu, le Seigneur te parle. Toi qui m'écoutes en ce moment et qui vivais dans cette activité, vas-tu continuer d'investir dans des vanités et perdre ton âme? Le Seigneur Jésus-Christ te tend la main maintenant. La main du Seigneur se tend vers toi pour te sauver de cette cage. N'endurcis pas ton cœur. Dieu ne tient pas compte du temps que tu as passé dans cette ignorance. Mais il veut à présent effacer tes péchés et remettre ton compteur à zéro. Ramener ton casier judiciaire vierge. Alors, si ce message a touché ton cœur, si tu es prêt à abandonner, si tu es prêt à sortir des jeux de hasard, des PMU, des lotostars, des casinos, des machines à sous, etc. Si tu es prêt, alors va sur tes genoux, agenouille-toi et commence par demander pardon à Jésus. Commence par confesser tes péchés à Jésus. Commence par lui demander pardon. Et abandonne cette vie de débauche. Et engage-toi à mener une nouvelle vie. Nouvelle vie, une vie de repentance avec Jésus-Christ. Si ce message te touche le cœur et tu es prêt à te mettre sur les genoux, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce message que tu as encore permis, oh Seigneur Jésus, de partager pour que Seigneur, quelqu'un reçoit et se répand maintenant. Seigneur, papa, ce frère, cette soeur, cet homme qui a écouté ce message et qui s'est mis sur ses genoux, Seigneur, je te prie de le pardonner. Seigneur, délivre-le du joug des jeux de hasard, du fardeau des jeux de hasard. Délivre-le, Seigneur, papa, du joug des lotos, des PMU, des casinos, des machines à sous. Seigneur, délivre-le de ses vices. Délivre-le de ses fardeaux. Délivre-le, Seigneur Jésus, de ses maladies psychologiques. Seigneur Jésus, il plaît ses péchés. Papa, pardonne-le. Seigneur, efface ses iniquités. Efface son nom du livre de l'enfer. Écris son nom dans le livre de vie au ciel. Seigneur, pardonne-le. Seigneur, accepte-le comme l'enfant prodige. Toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, donne du repos à cet homme qui s'est repenti maintenant. Seigneur, pardonne-le. Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, que ta miséricorde le visite maintenant. Papa, je te bénis. Je te remercie. Je te dis merci pour ce message. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le Seigneur t'a fait grâce, toi qui as écouté ce message et qui est prêt à le mettre en pratique. Mais attention, mais toi qui as écouté et qui l'a déchiré, qui dit non, c'est faux. Hey, regarde ce que déclare le livre de Ésaïe chapitre 1, le verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles après avoir écouté tout cet enseignement, si vous résistez et si vous endurcissez vos cœurs, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive en enfer, car la boue de l'Éternel apparaît. Ésaïe 1, verset 20. Quant à moi, j'ai joué mon rôle comme une sentinelle, j'ai sonné la trompette. Alléluia. Si vous repentez, votre âme sera sauvée. Jésus-Christ vous aime. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus revient. Je vous aime.
Shalom, shalom.